Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un nouveau jeu, Beasts of Prey. Je ne sais pas si je prononce correctement. On est sur l'update 21. Et pourquoi ce jeu? Eh bien d'abord c'est du sandbox, donc il a tout à fait sa place sur la chaîne, n'est-ce pas? Mais surtout bien parce que c'est un cadeau, on vient de me l'offrir, c'est Raon Krao, un de mes viewers qui me l'a offert, donc merci à lui, merci Raon Krao. Et en prime, ben... Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir. Voilà, voilà. C'était juste un petit bonus pour lui. Donc merci à lui de m'avoir offert ça pour le tester. Il voulait me faire un petit plaisir et puis surtout ben, que je teste ce jeu et que je donne mon avis dessus. Et malheureusement, mon avis n'est pas très très bon dessus, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait à l'heure actuelle, ce que j'en pense, pourquoi j'aime pas, ce qu'il y a de bon ou de pas bon. Et puis vous ferez votre avis. Vu que c'est toujours un jeu en alpha comme la plupart des jeux sur la chaîne, ben, on peut toujours espérer que dans quelques temps il me plaise davantage. C'est par exemple arrivé sur Creativerse, où au début j'étais extrêmement sceptique et même si je le reste encore un petit peu, bien maintenant j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Eh bien peut-être que ça arrivera aussi sur Beasts of Prey. Mais ne fuyez pas, on va quand même lancer le single player, ma partie actuelle, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et que je vous dise un peu ce qu'il y a quand même de prometteur et... pourquoi il y a quand même des choses sur lesquelles je suis très réticente. C'est parti. Alors, ça se charge, ça se charge pas, je ne sais pas. Oui, ça se charge. Donc, un petit peu comme Creativerse, on joue toujours sur serveur. Ce qui, pour moi, semble être un gros désavantage. Vous verrez pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de bugs, notamment de lag. Excusez-moi, j'arrive pas à fermer ça, voilà. Énormément de lag contre les créatures en combat, c'est une horreur, vous allez voir ça. Alors je sais pas si c'est juste moi qui ai ce problème là, je trouve ça infect. Alors on se retrouve dans une petite maison en bois que j'ai construit. Tout ce que vous voyez de toute façon c'est moi qui l'ai construit. Le lit, le coffre, ça c'est une table de craft. La porte était incluse dans la maison. Dehors vous avez mon four. Et ici vous avez une table de craft avancée, je l'ai mise dehors parce que j'avais plus beaucoup de place. Alors, vous voyez que le design est assez joli, le design des meubles et des bâtiments. Pardon. Ceci, c'est mon drapeau de protection, je vous expliquerai tout ça plus tard. Le design est assez joli, par contre, c'est du bloc. C'est-à-dire que la maison, j'ai pas choisi comment elle serait. J'ai construit une maison complète. Je vais tout de suite vous montrer l'interface de craft. Donc déjà, vous voyez que quand je m'approche sans rien faire, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. En fait, c'est... le contenu de ma table de craft, je peux stocker des choses dedans, j'ai déjà mis pas mal de choses, des lingots, etc. Et donc ici, vous voyez un peu tous les crafts auxquels j'ai accès au début, quand j'ai construit ma table de craft. Alors il faut savoir que tant qu'on n'a pas de table de craft, on a quand même accès à certaines recettes, notamment la recette de la table de craft, évidemment. Et quand on crée sa recette, sa table de craft qu'on la pose, on a accès à d'autres choses que vous voyez ici. Je peux faire des armes à feu, j'en ai déjà fait une, je vous expliquerai aussi. Et on peut faire des murs, des tentes... petite maison, grande maison. Ouais, j'essaye de la faire d'ailleurs, c'est 66 planches. On va peut-être se la crafter ensemble. Excusez-moi pour ces raclements de gorge. On va se crafter la maison médium. Comme ça, vous allez voir un petit peu le temps de craft. Et puis surtout, on la posera ensemble, vous verrez à quoi ça ressemble. Les planches, j'ai ramassé du bois, je vous montrerai aussi. Et après, on le transforme en planche. Donc... le côté positif du jeu, c'est quand même qu'il y a beaucoup de craft. Alors là, vous verrez, il y en a déjà pas mal ici. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Et je vais vous montrer sur la table avancée, on peut faire encore plus de craft. Et peut-être qu'on a accès encore à d'autres crafts plus tard. Ça, j'avoue que je sais pas trop. Hop. Voilà. Alors, house medium. Donc 5. Ah, effectivement, elle est plus grande. Donc là, vous voyez son ghost en rouge. Il va falloir que j'aille poser ça à un endroit où elle va devenir verte. Alors, je sais pas s'il y a des techniques pour faire ça. Moi, j'ai un peu du mal.
parce que le sol n'est pas assez plat, ou alors peut-être il faut poser des fondations dessous. Alors je joue à ce jeu depuis seulement quelques heures, mais je voulais quand même vous faire une vidéo de présentation, en fait, qui sera peut-être plus... Ah, il faut que j'ai un claim dessus. Donc le panneau, il sert à ça, le drapeau. Il faut que je fasse un claim, alors c'est surtout pour du PVP, mais ça marche même quand on est tout seul, pour pouvoir construire certaines choses. Eh ben, je vais pas arriver à la poser, tout simplement. Bon. Par contre, elle est vraiment beaucoup plus grande. Je sais pas s'il faut que je fasse un sol ou pas, d'abord. Bon, vous voyez, globalement, le ghost du machin est, genre, on va dire, trois fois plus grand que cette maison-là. On essaiera peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Donc, comme je vous disais, malgré que je n'y joue pas depuis très longtemps, je voulais faire une vidéo, tout simplement, pour vous dire un petit peu ce que j'en avais pensé dans les premiers temps, dès le début. Et je vais pas me cacher, globalement, tout de suite, je me suis dit, c'est vraiment de la merde. Alors, je vais pas me cacher, voilà, vraiment, je n'ai pas du tout apprécié ce jeu au début. Alors, l'environnement est assez joli, les dinosaures sont très bien faits, on essaiera d'en croiser quelques-uns tout à l'heure, sont très sympas, mais alors, ça sent le jeu en alpha un peu bâclé. C'est même pas genre l'alpha où ils ont pas fini de tout implémenter, ça fait bâclé, il y a plein de trucs que je trouve bâclé. Alors déjà, vous voyez, les blocs, on peut pas vraiment les poser comme on veut. Celui-là, il flotte dans les airs. Ça, c'est déjà pas top top. Mon premier feu de camp que j'ai posé sur un rocher, parce que je m'étais mis en hauteur, bah, il s'est posé au sol à travers le rocher. Ça, j'aime pas trop. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre... je vais retourner dans ma maison, j'ai oublié. Hop. Je vais prendre mes outils, pioche... et hache, donc que j'ai crafté. Alors les munitions, je les ai mis là pour savoir combien j'en suis. J'ai d'autres munitions, mais que j'ai mis en stock, parce que quand on meurt, on perd tout. Donc ça, à la rigueur, j'ai rien contre. Je suis mort qu'une fois pour l'instant, mais ça m'a fait perdre tout ce que j'avais, donc maintenant je fais attention. Alors pour piocher, il faut une hache, une pioche, pardon, évidemment. On se rapproche du rocher, quand il y a le symbole de pioche, on pioche. Voilà, sans s'arrêter. Et au bout d'un moment, vous allez avoir un message en bas à gauche, vous voyez, no more resources. Et donc là, ça veut dire que si je continue à taper là, j'aurai plus rien. Par contre, je ramasse tout ce que j'ai fait tomber au sol. Ce que j'aime pas du tout dans ce principe là, c'est évidemment que ça ne modifie pas l'environnement. Et ça, pour moi, dans un jeu sandbox, c'est rédhibitoire. Et franchement, quand un jeu, en même en alpha, est comme ça à la base, ça m'étonnerait que ça change. Sur les arbres, c'est la même chose. Sur les arbres, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, voilà, je coupe du bois. Il me dit que j'ai plus de ressources dedans, donc ça sert plus à rien que je tape. Je ramasse mon bois, mais l'arbre est toujours là, il n'a pas diminué. Donc ils l'ont même pas enlevé, c'est même pas rien du tout. Voilà, il est toujours là, mais il n'y a plus de ressources dessus. Et ça, franchement, j'aime pas du tout. Pour moi, ça gâche un peu l'esprit du jeu sandbox, mais bon, c'est mon avis. Alors, ensuite, je vais en profiter quand même pour vous montrer comment ça fonctionne, le mécanisme des minerais. Par contre, ça, c'est pas mal. Donc, quand je mine, je ramasse des minerais un petit peu random. Je les mets dans ma table de craft. Voilà, ici. Et au bout d'un certain temps, ces minerais non identifiés vont se transformer en minerais identifiés que je pourrais aller faire fondre. Vous voyez, voilà. Hop, on sait pas, c'est dommage, et pareil, il n'y a pas de barre de temps, alors ça c'est un truc qui pourrait être ajouté plus tard. Un truc que je trouve bizarre aussi, c'est que la première fois qu'on le fait, je comprends qu'il faille les identifier, mais après, une fois qu'on les a identifiés, une fois, théoriquement, on pourrait reconnaître le magnésium, etc., de ne plus avoir besoin de les réidentifier. Ça aussi, c'est un truc qui peut changer, donc c'est pas une critique de ma part, mais pour l'instant, c'est pas abouti ça. Voilà. Ma première vraie critique, c'est vraiment le fonctionnement de la pioche et de la hache qui ne modifie pas le décor. Alors on va attendre que le dernier soit fini. J'espère que ça va pas être trop long. Des fois c'est long, on sait pas pourquoi. Voilà, iron ore. Une fois qu'ils sont identifiés, on va dans notre forge. La fenêtre s'ouvre toute seule. Ah bah d'ailleurs j'en avais en stock ici. On les met là. Et on met du bois avec. Alors je sais pas si ça marche avec les wood logs. On va voir. Ouais, ça marche. Voilà, wood log, et puis tant qu'il y a du bois, bah, ça va fondre le truc, et puis au bout d'un moment, il y a les lingots qui vont apparaître, ça sert à rien de rester à côté, c'est assez long. Pareil, il n'y a pas de barre, mais ça, ça pourrait être ajouté plus tard, donc voilà. Alors, ce principe là de pouvoir stocker des trucs dans tous les objets, c'est pas mal, ce qui est dommage, c'est que c'est pas nous qui décidons d'ouvrir la fenêtre,
Vous voyez, il faut s'approcher comme ça. Ah, d'ailleurs, je vous avais dit que je vous montrerai ce qu'il y a là-dedans, on reviendra plus tard. Mais là où c'est problématique, c'est quand je pose ma table de craft et mon coffre un peu trop près, quand je suis là, je sais pas trop comment passer d'un coffre à l'autre. Vous voyez, je suis là, je me trimballe jusqu'à ouvrir la bonne fenêtre de craft. Voilà, pas de craft, d'inventaire. Et donc là, dans mon coffre, j'ai ceci. Donc, je me suis crafté en avance une autre arbalète et d'autres flèches. Et alors, le pistolet, on va le prendre. Je vais vous montrer comment ça se passe, les crafts. Hop. Voilà. Ah, tiens, j'ai écrit un message en bas un peu bizarre. Donc, voilà la fenêtre de avancée. Donc, vous voyez qu'on peut crafter des armures. Pas mal d'armures en peau de T-Rex. Ça doit être pas mal où est-ce qu'elle est. Voilà, T-Rex Jeans. On peut crafter des palissades, des armes assez compliquées, il y a des mitrailleuses, il y a des lance-roquettes, il y a pas mal de choses, hein, ça c'est sympa, au niveau des armes ça a l'air bien fait, des explosifs. On peut faire des tours de pétrole, c'est-à-dire pour exploiter de l'huile, il y a des sources d'huile, il y a des raffineries, donc il y a quand même des objets assez avancés. Vous voyez là on peut faire une pompe à pétrole. Donc il y a quand même pas mal de trucs, ça c'est le côté positif dans le jeu, j'ai l'impression qu'ils ont fait des trucs assez intéressants, l'exploitation du pétrole, il y a des radars, il y a des... Alors les tourelles, elles sont pas là les tourelles, non, elles sont dans l'autre. Alors, je vous montrerai les tourelles après, donc du coup les armes, on était venu pour ça. Pour crafter un Beretta, il me faut, voilà, vous voyez, pistol frames et barrels, donc c'est bon, je l'ai. Je le craft, donc en fait je fais un blueprint. Et une fois que je vais avoir mon blueprint, ça va être assez rapide, je vais le mettre dans la table qui est ici, la machine va se lancer, et au bout d'un moment, j'aurai mon arme, tout simplement. Voilà, Beretta blueprint. Voilà. Voilà, vous voyez, ça, le machin, là, il est en train de crafter mon machin. Donc, tant que ça fait du bruit, c'est que ça en fonction. D'ailleurs, ici, vous entendez plus le bruit de la forge parce que c'est fini. Alors, par contre, voilà, Woodlog, c'est beaucoup moins bien que les Woodplanks, visiblement. Il m'a pas fait le Iron Roar, donc je vais mettre mes Woodplanks ici, ça devrait être plus efficace. Vous pouvez en mettre plus, il va s'arrêter automatiquement de fonctionner une fois qu'il aura fini de faire fondre le minerai, ce qui est étrange, mais qui est pas désagréable. Alors, vous voyez, la grosse fumée, là-bas, c'est justement un truc de pétrole. Bon, pour l'instant, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour les exploiter. Donc là, bah, tant qu'il fait du bruit, on attend notre revolver, enfin notre Beretta. On n'a pas de barre de timer encore. Donc on va attendre que ce soit fini. Vous allez voir pendant ce temps, je vais vous montrer les tours dont je vous parlais. Voilà, vous voyez, Guard Tower Metal, donc il me faut beaucoup de choses, je peux pas en crafter encore. Mais voilà, les bâtiments, on peut faire des tours de guet. On peut faire des morceaux de béton, des tours de garde en bois. Des portes, des portails, voilà. Je pense, alors j'y ai pas joué personnellement, mais j'ai vu des vidéos, ça ressemble un petit peu au principe de construction de The Forest. Hein. C'est-à-dire, au lieu de placer bloc par bloc, on place élément par élément. Personnellement, je suis pas fan de ce système-là, mais ça se défend. Hein. Je veux dire, c'est pas une critique par contre, c'est juste que moi, personnellement, je n'aime pas, parce que du coup, il y a moins de place pour la créativité, il y a beaucoup moins de souplesse, on va tous avoir des choses qui se ressemblent. Alors c'est vrai que c'est joli, mais bon, voilà. Puis alors c'est un peu bizarre parce que c'est quand même un jeu qui est axé normalement sur la survie, puisque la créativité est assez limitée. Donc c'est peut-être sympa en multi, mais alors quand on n'est pas en multi, il n'y a pas de gestion de la nourriture, la vie c'est seulement la vie que vont vous enlever les mobs. Donc c'est un peu, c'est un peu bizarre. Alors, avant de partir en exploration, ça m'a l'air fini, donc vous allez pouvoir voir le résultat. Voilà, il a fini le blueprint, donc j'ai un deuxième Beretta. Donc on va le mettre en stock au cas où on meurt. Je vais d'ailleurs stocker tous mes trucs, puis on va partir en exploration. Ça va me permettre de vous montrer un peu l'environnement, mais aussi ce que je n'aime pas dans le jeu. Bon, allez, les munitions, on va tout prendre, comme ça on en aura d'avance. La dernière fois, j'ai réussi à pas mourir. Hop, et puis si je meurs, et bah tant pis, de toute façon les deux armes je les aurai déjà, et les ressources on va les stocker ici, donc vous voyez c'est toujours un peu pénible, je peux pas ouvrir ma table, voilà. Hop, hop, les woodlogs on va stocker ici pour l'instant, iron ingot, charcoal, et redstone, voilà. Tac, voilà,
Allez, on va partir en exploration en espérant croiser des dinosaures pas trop costauds, même si de toute façon le résultat sera le même malheureusement. Alors, je vous explique avant même qu'on les croise, comme ça je pourrais me concentrer sur le combat et vous pourrez apprécier ou pas ce qui va se passer. Les dinosaures que j'ai croisés, il y a un énorme souci. Je pense que c'est dû au lag serveur. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'est juste que j'ai pas de chance et que le premier jour où j'y joue c'est comme ça. Mais ça lag sans que ça se voit. C'est-à-dire que les mobs vous attaquent et qu'ils vous font des dégâts alors qu'ils sont pas à côté de vous. Quand ils sont à côté de vous, ils vous font pas de dégâts. Et quand vous leur tirez dessus, vous les touchez pas. Donc c'est génial, c'est totalement abusé, on peut rien faire. Ah. Moi j'ai entendu l'oreille, j'ai entendu un bruit de dino. Non. Donc j'ai réussi à tuer un dinosaure, je sais pas comment, un petit dinosaure, j'en ai tué deux même d'ailleurs. Et les autres, j'avais beau leur tirer dessus, j'ai vidé des chargeurs dessus, ils mourraient pas. Mais pas, ils mourraient pas, genre c'était pas suffisant, c'était genre je les touchais pas alors que j'étais à bout portant. Donc vraiment très, très frustrant, très désagréable. Surtout que c'est un peu incompréhensible, c'est pas comme si j'avais des lags graphiques ou je sais pas quoi. C'est juste le mob et pas là où il est censé être. À côté de ça, de temps en temps, vous croisez des gros dinosaures très bien faits. Au niveau design, ils sont très jolis. Ils traversent les murs, ils traversent votre maison sans rien casser. Ils sont complètement glitchés. Je sais pas, c'est ni fait ni à faire, quoi. Alors, il y a un patch qui vient de sortir très récemment. Donc, est-ce que ce patch a fait créer plein de bugs et qu'ils sont en train de les corriger? N'oublions pas que c'est une alpha. J'ai certains viewers qui m'ont dit qu'il y a quelques temps, ils y avaient joué avant les patchs et que c'était mieux que maintenant, ce qui est un peu bizarre, un patch qui rend le jeu moins bien. Donc, bref. Alors, l'environnement, vous voyez, c'est... Bon, bah, ça fait un peu penser à Jurassic Park, mais c'est hyper dépouillé. Pas grand-chose. Les arbres, le design des arbres est sympa, mais ça fait vraiment très dépouillé. On interagit avec quasiment rien. À part les arbres et les rochers qu'on trouve par terre, il n'y a rien à ramasser. Ah, un T-Rex là-bas. Donc évidemment, on va pas attaquer un T-Rex. On va peut-être s'approcher un peu. J'aurais bien voulu voir un petit dinosaure ou alors des cannibales. Il y a des cannibales qui sont assez bien faits aussi, comme ça. J'ai une chance de les tuer et puis si je les tue pas, au moins vous voyez que ça lag. Le T-Rex, je pense qu'avec mon Beretta, j'ai absolument aucune chance. Alors, je vais juste recharger quand même. Au cas où, voilà. Alors, c'était pas un bruit de dinosaure, je crois que c'est la... mon arbalète qui se recharge. Alors, un autre truc que je trouve vraiment... Enfin, bon, pour moi, c'est... Enfin, peut-être que vous, c'est des détails, mais pour moi, je trouve que ça fait vraiment le jeu bâclé. C'est, vous voyez, le skin de l'arbalète. Très joli, très sympa. Beaucoup plus joli que sur beaucoup de jeux. Mais, comment on la crafte, cette arbalète? Avec des morceaux de bois. Voilà, merci. Donc, avec 2-3 morceaux de bois, ça me donne ça. Je trouve que c'est pas cohérent, quoi. Ils auraient pu faire une arbalète en bois toute pourrie, puis après une super arbalète moderne comme ça, un peu comme on aimerait l'avoir sur Seven Days. Mais là, non, je sais pas, c'est pas très cohérent. Bon, ça, c'est pas une grosse critique, hein, mais c'est vrai que ça fait partie des choses que je trouve un peu bizarre. Mais bon, pour un jeu sandbox avec liberté totale, c'est facile de faire une liberté totale quand vous avez une map où vous pouvez aller où vous voulez, mais vous pouvez rien faire. C'est-à-dire que vous pouvez pas couper les arbres, vous pouvez pas creuser sous terre, c'est-à-dire que ma pioche, elle casse rien. Je récolte des ressources comme si je grattais le rocher sans que ça fasse rien. C'est un peu bizarre. Et alors aussi, une petite chose, regardez. Je sais pas si sur celui-là, ça va le faire. Ouais, voilà. Vous voyez la hitbox de l'arbre? Pareil, ça, je déteste. C'est-à-dire, il y a une hitbox qui est vraiment foireuse. On peut pas s'approcher. Et encore, celui-là, c'est pas le pire. J'en ai vu où, genre, à 3 mètres, je pouvais pas m'approcher de l'arbre. Par contre, si un dinosaure passe, lui, il traverse l'arbre. Donc, voilà. Merci d'être passé. Alors, la flotte, il paraît qu'elle est toxique. Ça, j'ai pas essayé, j'y suis pas allé. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein, pourquoi pas, on pourrait très bien être sur une île de dinosaures toxiques. Alors, à savoir qu'on ne sait pas du tout pourquoi... Bon, ça, c'est comme ça dans la plupart des jeux. Hein. On ne sait pas pourquoi on est sur cette île. On ne sait pas ce qu'on est censé y faire. Alors, en multi, on est censé se friter la tronche, mais il n'y a pas trop d'objectifs. On sait pas d'où on est arrivé. Un peu dommage. Hop. Donc ça, c'est les rochers que vous allez chercher au début de la partie énormément. Il vous en faut beaucoup pour les premiers crafts. Et alors là, pareil, c'est un truc que je trouve un peu naze. C'est que des fois, vous allez croiser des rochers, alors qu'ils ressemblent pas à ceux-là. Ceux-là, vous pourrez toujours les ramasser. Mais des rochers genre un peu carrés, que eux, vous ne pouvez pas toucher, pas ramasser, pas interagir même avec une pioche.
Et puis ceux-là que vous devez ramasser, qui sont placés un peu n'importe où, un peu comme des loots qui seraient tombés par terre. Et des fois vous promenez, puis il y en a un qui apparaît devant vous. Et pire, des fois vous en voyez un loin, genre même pas loin, des fois à 50 mètres, là, genre celui qui est là-bas. Vous voyez devant moi là qui est sur la colline. Et quand vous arrivez, il est plus là. Voilà, il a disparu entre temps. C'est nice bizarrerie. Hop. Alors, on va ramasser celui-là. J'aimerais vraiment croiser autre chose qu'un T-Rex. Si on croise rien d'autre, promis, on ira affronter le T-Rex. Avec mon Beretta, de toute façon, que je crève pas. Change pas grand-chose. Ce serait pas mal des petits cannibales ou des vélociraptors ou je sais pas quoi. Un truc qui me one-shot pas, quoi. Alors, j'aime bien la course. On sait pas si... Écoutez... On sait pas s'il est essoufflé ou s'il flippe, s'il a peur. Mais c'est pas mal, ça c'est bien fait. Alors on va monter un peu sur ce rocher là pour voir le panorama. Voilà, une distance de vue raisonnable, assez loin, même si on voit plus le T-Rex d'ici. Moi je trouve que les textures sont assez basiques. Globalement, je trouve pas que le jeu soit beau. Hein. La seule chose que je trouve vraiment bien foutue, c'est les personnages. Les tyrannosaures, enfin les dinosaures en général et puis les cannibales sont vraiment très bien faits, très jolis. Les triceratops qu'on peut approcher de très près puisqu'ils sont pacifiques sont vraiment très très bien faits. Tant mieux puisque c'est un jeu de dinosaures. L'herbe là comme ça c'est joli de près, ça va, c'est globalement classique. Le reste du jeu, voilà, ça fait dépouiller, il n'y a rien... Je sais pas s'il y a un intérêt à se balader comme ça, puisque de toute façon, apparemment, il n'y a pas 36 ressources à trouver. Alors évidemment, ça pourrait être rajouté plus tard, mais bon. Ils ont quand même pris le temps de mettre des oiseaux, quoi. Il y a des oiseaux qui sont bien gaulés, qui servent à rien, hein, qui sont très jolis, qui se baladent autour de votre maison, etc. Puis à côté de ça, il n'y a rien dans le monde. Je sais pas où sont leurs priorités. Bon, désolé, hein, vous sentez que j'ai un parti pris assez négatif sur le jeu. J'espère me tromper sur les lags, que c'est pas un classique mais que c'est juste aujourd'hui qu'un bah, que ça lag et que c'est pas de bol. Peut-être que je reverrai les jours prochains. Mais j'ai un viewer, bah, Raon Krao notamment, qui m'a offert le jeu, qui m'a dit qu'effectivement il y avait des bugs, il y avait des lags, mais lui c'était adapté, il aime bien. Donc tant mieux, hein, je suis content qu'il y ait des gens qui apprécient ce jeu-là. Ça donnera peut-être une chance aux développeurs de le développer. Personnellement, j'ai beaucoup plus ragé que pris de plaisir sur le jeu aujourd'hui, mais clairement, il y a plein de trucs que je trouve pas intuitifs, il y a les bugs, il y a des trucs que je trouve pas très jolis, et le pompon pour moi c'est vraiment les fights au corps à corps, c'est impossible parce que bah, quand on tape le mob il est pas là où on pense et puis du coup il nous shoot par derrière, enfin bah, c'est incompréhensible. Et même à distance j'ai réussi à tuer un... Ah tenez, regardez, ah il l'attaque. Ça c'est pas mal, ça, il y a de l'interaction entre les mobs. Donc là-bas ça doit être des cannibales a priori. Et ils ont l'air d'être en train d'attaquer le Diplodocus qui ne se défend pas. Ouais, je ne sais pas. Alors on va essayer de les shooter. Je sais pas si je l'ai touché. Ah là je l'ai touché. Vous voyez comment il a une sale gueule ? Donc là, je le touche, c'est déjà pas mal, c'est déjà plaisant. Ah, mon premier cannibale. Alors, on va tout ramasser. Ouais, bien sûr. Je vais prendre mon flingue, du coup. Dans la tête, ça l'a pas tué. Oh, ils sont costauds, les cannibales, dans le coin. Alors déjà, je suis content parce que je le touche. Tout à l'heure, les dinosaures que j'avais, je les touchais pas. Est-ce que les autres se sont mis en chasse? Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a un moyen de tout récolter rapidement. Là, je prends ça comme ça rapide. Alors, à chaque fois, il range l'arme, c'est un peu chiant. Alors, on va reprendre l'arbalète en prio. Ah, il y a des petits dinosaures maintenant qui l'attaquent. Alors, du coup, je peux pas vous montrer... Bon bah ça bug pas là, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que j'arrive à les toucher. Très positif, parce qu'avant j'arrivais pas à les toucher. Bon, je ramasse sans trop chercher.
Donc sur eux, il y a des minerais et des munitions. C'est totalement logique. Ils n'ont pas d'armes sur eux, ils ont des munitions. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est en train de l'attaquer ou pas. Vous voyez ça. Comportement des mobs. L'IA, elle est nulle à chier. S'il l'attaque, ouais. Donc le diplodocus, il pourrait l'écrabouiller d'une patte, il fait rien. Ah, il les tue. Bien joué, le diplo. En fait, il les écrase, mais ça se voit pas, parce que j'ai entendu beugler, il y en a un qui a disparu. Alors, j'ai peur de tirer et de me prendre un diplodocus, mais on va essayer, on les passe après. Oh, voilà. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Là, il se passe rien. Ouais, d'accord, il crie. Ah, toi, je t'ai pas vu venir, toi. Ah, il y en a deux autres là-bas. Ah, ça commence à bugger, vous voyez? Ah non. Je vais faire un zoom sur sa tête qui est moche. Et il ferait peur à certains zombies de 7 Days. Hein. Mais ils sont imbutables quoi. Vous voyez là? J'ai pris des dégâts, on sait pas pourquoi. Ah, j'ai plus de munitions. Alors, s'il meurt pas avec cette flèche, je suis pas dans la merde. C'est bon. Le diplo m'attaque. Je vais mourir à coup de diplodocus, je crois. Non? Oui? C'est quoi ça? Il y a des cris après, non mais enfin il y a un décalage, c'est n'importe quoi. Alors, je vais prendre un bandage, voilà. Le bandage, je l'ai pris en appuyant sur la touche 1. Je sais pas si ça vaut le coup d'en prendre un tout de suite. Il va falloir que je me crafte un fusil parce que j'aurais dû les stacker les trucs. Est-ce que les autres ont des pop ou est-ce qu'ils sont toujours là quelque part? Je ne sais pas. Oui, bref. Ah si, non, oui. Non, ils ont l'air d'avoir des pop. Bon, là, je vais pas critiquer parce que dans 7 Days, c'est pareil, mais... Ouais, bon. Il y a tellement de choses à gérer dans ce jeu que je comprends qu'ils puissent pas gérer 4 mobs qui ont des spawns, quoi. Voilà, vous avez vu un fight super intense, super classe, avec un dinosaure qui les a écrasés. C'était magnifique à voir. Ils ont été dangereux. On s'est senti oppressés. C'était horrible. Voilà, si vous voulez de l'intensité, de la frayeur, venez sur Beast of Prey. Et si je vous ai pas convaincu, eh ben c'est normal parce que je ne le suis pas moi-même. Voilà, et eh ben déjà une demi-heure de vidéo sur ce jeu, je pense que c'est trop. Attention, je ne m'engage pas à refaire d'autres vidéos. Je tiens quand même, franchement, vraiment à remercier encore Raon Krao pour son cadeau. Parce que d'abord c'est généreux, c'est très sympa de sa part, ça m'a fait vraiment plaisir réellement. Et je suis content d'avoir pu tester le jeu et de le connaître et de pouvoir vous en parler. Et puis surtout c'est un jeu en alpha donc on ne sait jamais, ça peut devenir un truc de fou. Ça peut devenir une tuerie, ça peut devenir beaucoup mieux. Déjà s'il règle le problème des serveurs et des mobs qui lag, ce sera déjà beaucoup moins désagréable. Et peut-être qu'en multi ça peut être sympa même si j'ai pas envie d'y jouer là tout de suite. Donc voilà, peut-être un jour, dans un mois, deux mois, six mois, un an, je referai une vidéo sur Beast of Prey et je vous dirai, ils viennent de sortir une update et ce jeu est une tuerie. Pour l'instant, c'est pas le cas, je trouve pas que ce soit génial. Le jeu était à 10€ là récemment avec une petite offre, donc c'est vrai qu'à ce prix-là, bah, pour ceux qui aiment les dinosaures, ça peut être sympa. Mais pour moi, il y a beaucoup d'autres jeux bien mieux en sandbox. Ne serait-ce que tous les autres que j'ai déjà présentés sur ma chaîne, celui-ci arrive à mon avis en dernier. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez bien mieux le jeu que moi, ce qui n'est pas très dur, et que vous avez envie de me dire « mais tu trouves ça pas bien parce que tu as pas fait ça, ça, ça et ça, t'as pas exploré, plus tard c'est mieux, en multi c'est mieux, on peut construire ça c'est mieux », n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je pousserai même mon expérience de jeu pour découvrir ce que vous me présenterez. Mais à l'heure actuelle, pour moi, ce jeu n'est pas agréable, n'est pas sympathique à jouer. Ou en tout cas, il y a bien mieux à faire sur d'autres jeux sandbox. Allez, c'est la 15e fois que je vous dis au revoir, donc ciao !